déjà Nosferatu. Nosferatu. Spécimen vaincu par une capacité de la spécimen vaincu par une capacité. Fois où l'espèce a utilisé morsure. Bah en vrai go spammer les morsures un peu hein, je pense. Tranchère et morsure et on sera bon. Je pense. Alors. Quel Pokémon veux-tu? Ok, on cherche. Bah, j'ai raté. Putain, mais dis pas que je l'ai donné à je sais pas qui. J'ai Nosferatu, Nosferatu qui est là, on va récupérer. Mais... je l'avais donné à je sais pas qui, c'est... On va aller le choper. Alors, Nosferatu, spécimen attrapé de nuit. Tunnel de fer. Tunnel de fer. Tunnel de fer. Demain, ça va être une grosse journée, ça veut dire. Ça veut dire à midi, vous êtes Pokémon, milieu de journée, une de fin de journée Pokémon, soir direct. Fin de journée. En vrai, je suis un peu content quand même, je vais pas vous mentir, je sais pas, parce que j'entends effectivement, bon déjà, ça faisait plusieurs jours là, j'entendais ça, qu'il allait y avoir une Nintendo Direct, j'étais pas chez moi, j'étais en mode bon, voilà. Je rate toutes les infos, enfin, j'ai plein d'infos à donner. Mais c'est même pas que ça, c'est que j'étais en mode, là en fait, je repars semaine pro. Je repars quelques jours, semaine pro, pas longtemps, mais peut-être 2-3 jours, début de semaine prochaine, je vais pas être là, et j'étais en mode, putain, tu vas voir, tu vas voir qu'il y a une vidéo qui va tomber quand je vais pas être là. Et en fait, ça a l'air d'aller, donc c'est good, je suis content. Ok, Nosferatu, c'est good. Alors, Nosferatu, niveau 7, mon attache non rapportée 2, spécimen attrapé la nuit, attends, mais il n'y en a pas un deuxième, genre? Y'en a pas un petit deux? Y'a bien un petit deuxième là que je peux choper, non? Oh putain, le baron. Ce serait parfait le baron, alors là. Tant pis, je voulais y aller discretos. Je voulais vraiment y aller discretos, mais... hop! Ok. Let's go! C'est bon. C'est bon. Alors là tu peux être sûr. Voilà, t'as pas de quoi. Alors Nostanfer, je l'ai. Oh, l'espèce utilise vampirisme, style rapide. Déjà si je maximise ces deux trucs. Vampirisme, poison croix, style rapide. Voilà. Poison croix. J'ai pas vampirisme, mais j'ai poison croix, style rapide. C'est x2 à chaque fois. Si je maximise ça, je devrais le faire. Let's go. Ok, on y go. De quoi que j'ai pas connaissance, j'ai pas suivi le... alors les queues notoires.
faut la griffe rasoir pour torturer. Poison 3, style rapide. Ok. En vrai, ça va aller vite comme ça. Et du coup, là, par exemple, on a deux tâches pour nous en faire, donc on est déjà niveau 4. Ah ouais, non, poison 3 n'est pas... Ah, merde. Ok, merde. Merci Nakatomake, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Spécimen baron attrapé. Il est où le baron, vous savez? En vrai, on va aller choper le baron aussi, je pense. On va augmenter encore un peu, mais... On va aller choper le baron, quand même. L'établi est relié à ta boîte d'objets au bivouac. Si, on l'utilise, l'établi. On l'utilise, l'établi, ouais. C'est pas mal en vrai. Poison 3. Il y a un autre. Continuons. Quelqu'un a déjà donné la technique pour se faire des pokés de l'artiste avec des croisseurs en volume. Je crois qu'on me l'avait dit, mais... En fait, on n'est pas en manque d'argent, mais surtout, on en a plus vraiment besoin, vu qu'on a tout fini. Mais je crois qu'on me l'avait dit. Mental. Hop, j'en prends encore. Dying Light, bon, j'ai pas prévu, j'avoue, c'est pas du tout un jeu que j'attends, donc... Voilà. Là. Attention. C'est ouf quand même qu'avec 31 niveaux de différence, l'attaque de style rapide tue pas. Oh, incroyable. C'est des niveaux 4, ils vont me buter, regardez à force. Ça va, on utilise bien le style rapide. En vrai ça va, c'est pas compliqué, hein, c'est juste long. Mais dans du post-game et tout, en live chill, c'est très bien. Niveau 3. Oh, magnifique. Alors, on en est où là? Je pense que là, on a bien avancé. 5 tâches, on est à 7. Là, j'essaie de choper le baron pour aller à 8. Il faudrait que je monte style rapide. Pour que je chope le baron et que je fasse encore un style rapide. Ah non, c'est ça. Ok. Alors. Est-ce que Kiro est dans le coin? Si Kiro sait où. Ça peut savoir pour XP tes pokés faciles pour des Evo. Pour ça, on a déjà notre technique pour le coup. Pour le coup, ça, on a déjà notre technique avec. Avec le tour. Oui, bah je sais pas, je t'ai demandé si tu savais où était le Nostanfer Baron, mais j'ai pas eu ta réponse. Pour voir. Si jamais tu sais, je dis pas non. Ça on va aller l'attraper. Genre de jour, de nuit, machin. Hop. Mon cher. Quelqu'un qui me dit grotte des égarés, l'autre qui me dit grotte mon couronné de l'histoire. C'est la grotte des égarés à chaque fois? Attends. Hop. On va lui rendre, de toute façon on est obligé. Mais j'ai eu un os. Ah non, c'était un Osseralto. Ok, là je vais y aller, je vais y aller. Alors. Bah, il est niveau 10! Des fois j'ai du mal à... Bah pas besoin en fait. Pourtant on était à 8... Non on était à 7. J'ai validé le style rapide donc j'ai dû... Ah j'ai validé le poison croix. C'est pour ça en passant j'ai validé le poison croix. Ok. Je crois que c'est ça. Bon ok. Pas besoin du coup.
Alors, Baudrive, Gaudrive, Krixik, Melokrik, Melokrik, spécimen baron à frappe, on l'a déjà eu, donc on va recommencer éventuellement. Fois utiliser les 3. Voilà, 3-6. Alors, Melokrik. Pokémon qui est beaucoup, Pokémon qui est resté beaucoup avec nous. Mal aux yeux comme ça quand je passe de gauche à droite, c'est affreux. Ok, Melokrik il est que niveau 23. Il a bien play croix, tout ça. Pas play croix. Putain, c'est play croix, mais play croix, j'ai pas. Ok, on va faire tranche, mais tranche, 3-6, ça va nous mettre 3 points. On va voir. Alors du coup, je suis plutôt chaud de savoir où est le baron Melokrik. Choisir. Au chaud et ça, ouais, le baron Melokrik. Merde, mais du coup. Attendez. Problème. Oh la pute. Il a pas mis ce qu'il fallait. Donc, recommençons. Let's go. Il est que niveau 23, donc attention quand même. Ça va pas les toucher en plus. Ah, oh, j'ai envie de mourir, il va me saouler, Melokrik. On se casse. Il va me saouler. Baron Melokrik devant l'arbre sur les plages, sur une double bosse. Quoi? Mais quelle plage? Vous avez le nom du lieu, genre? Quelle plage? Genre là, dans une autre zone? Grand arbre. Ah, ok, attends. Ok, d'accord, c'est bon. Ok, attends, on y va. Peut-être que lui aura même les attaques que je veux. Sur la plage du devant. Ouais, Baron Melokrik, let's go. Castorno. Vous êtes sûr qu'il est bon? Regardez la carte de Kiro parce que je comprends pas. Ah mais en fait non, vous auriez dû me dire que c'était sur l'île centrale, pas en face de l'arbre. C'est de l'autre côté, d'accord. Moi je pensais que c'était vraiment sur le continent de l'arbre, mais pas du tout, c'est avant le barrage. Ok. C'était pas logique pour moi, ok, je comprends. Alors,
là, genre. Genre il fuit. C'est pas le baron hein, mais c'est pas grave. Non, ça sert à rien pour les trucs. Merci Eri. Oula, pardon. Merci Eri. Ça va et toi? Là. Ah mais en plus on va gagner un truc parce qu'on lui a donné de la nourriture, parfait. C'est bon. Ok. Nice, merci beaucoup. Ok. That's good. Alors. Pokémon. On va passer niveau 9, je pense, aujourd'hui, tranquille. Ça va se faire. Un boss aussi fascinant. 10. Baudrive, on était déjà 10, non? Maintenant rien du tout. Alors Musteflotte, je suis niveau 7, spécimen baron vaincu. Musteflotte, là il y en a, bah tiens je le vois sur ma carte en plus. Spécimen baron attrapé. Ok. Et fois où l'espèce disait vivre à quoi machin. Non mais on va aller l'attraper. On va aller l'attraper. Alors let's go. Le charme chroma, il faut tous les Pokémon au niveau 10 en Pokédex, c'est ça. Ouais. Mais ça va, en vrai, il n'y en a pas 250. Enfin, si, du coup, tu en as pile poil 250. Mais je veux dire, tu n'en as pas à 10 milliards, quoi, ça va. Je crois qu'il est par là. Je le vois. Carrick de mort. On a déjà fait la quête pour Mustebourg et Akiro. C'est bon. On l'a déjà fait. Ok. J'en fais qu'un. Spécimen vaincu. Oh, l'espèce qui disait vivre à quoi, style rapide. Ce sera rapide. On va aller le prendre. On va aller le prendre, on sera vide. Tu peux voir à combien t'es au niveau 10 de Pokémon? Comment tu vois ça? Genre, est-ce qu'il y a un moyen pour... Moi là, ça me dit combien j'ai de Pokémon attrapés quand on a enregistré, mais est-ce que ça peut me dire combien j'ai de Pokémon niveau 10? C'est écrit tout ça. Ah oui, 51. Oh, putain, ah oui. J'en ai que 51. J'étais persuadé d'avoir quand même. Parce que souvent, quand on regarde comme ça le Pokédex, on en voyait. Bon, un Pokémon. J'aime bien le baron. Ah! On a le fou. Je veux au total région 18. Pas beaucoup mieux. Pas beaucoup mieux, mais c'est pas grave. C'est déjà ça. Alors, Musteflotte. Il fallait quoi? Vibre à quoi, c'est ça? Vibre à quoi? Fil rapide. C'est bon, let's go! Hop! On est parti! Fil rapide. Oh putain! J'ai cru qu'il allait lui faire encore laser fiac. J'ai vu la queue tourner, j'étais en mode le retour. Le retour du laser fiac. Comme dans Diamant.
Regardez, il prend la pause, hein. Regardez ce bâtard. Regardez-le, attention. Il est reparti. Voilà. Et du coup. Il n'y a pas un autre, hein, c'est bas. Il a fui. Là-bas. Croyez fuir. Ah. Vraiment, d'accord, c'est une tanasse cette histoire de zone. Non. Je veux dire de quoi, le complètement le Pokédex comme ça. Non, ça va, ouais. Enfin, c'est différent, c'est spécial, mais ça va. J'aime bien. Ça occupe là, en post-game. Tâche non rapportée, 7. Oh, ouais, ouais. Ok. Alors. Capture un Pokémon, vas-y. On va rapporter un peu d'argent, mais ici. Très bien, on augmente, on a pris 10 000 depuis tout à l'heure. Juste en capturant des Pokémon. Ouais. En fait, quand tu veux vite accélérer ton niveau d'étoile, c'est long. Mais en vrai, là, par contre, pour finir comme ça, tranquillou, hein, on est quasi niveau 9, ça va, ça monte que super, rien. Alors, Chenuzel, niveau 4. Fois où l'espèce a utilisé Bourdon, Choc Mental, Style Rapide. Alors, on va crier parce qu'on est tous ça. Elle est pas là-dedans, mais. Pas très loin ce qu'on avait eu vers la fin. Ouais, mais je pensais qu'elle était. Qu'est-ce qu'on a foutu là? Alors on a dit Bourdon et quoi? Bourdon et Choc Mental. Tu les as. Choc mental, mais c'est pas un problème. Choc mental, c'est rapide déjà. C'est pas ça. Non, ce qui peut y avoir d'un peu redondant, c'est peut-être de le faire toujours au même endroit, mais en même temps, ça le fait vite. Il voulait se battre, je suis en mode what? Il va se battre quand même. Choc mental en style rapide. Moi ça fait voir un peu tout le monde. Ok. C'est les deux dans tout. Oh, c'est les deux dans tout. Ta forme d'issue préférée? Archéduc, je pense. En vrai, Archéduc, hein. Parce que les autres sont vraiment pas folles, donc je vais dire Archéduc. Ah, Arcanin peut-être. Arcanin ou Archéduc. Je sais pas. Enfin, y a pas une évidence qui ressort. Si Arcanin, peut-être. Et la question, c'est. Est-ce que je préfère Arcanin ou Arcanin qui suit? Et je pense que je préfère malgré tout Arcanin. Je sais pas. On a 4, donc on a 8. Choc mental, je peux monter à 6. On a encore 3 attaques. Hop. Zoroark, je sais pas. J'aimais bien au début, hein, mais en fait, je sais pas. Non, tu ne peux pas avoir Arceus Chami. Il est Chami Lock. Il est Chami Lock. T'es gros toi. T'es un gros toi. Vache. Arc non. Enfin, on verra Arc 2, mais en tout cas Arc non. Arc non, c'est tout. Hop, continue. Un semi open world.
Je sais pas, merde, je sais pas comment on pourrait. Pour moi, c'est un monde qui est. C'est un monde ouvert. C'est un monde. Je sais pas le nom. Un monde fragmenté, quoi. C'est un monde ouvert, mais qui est fragmenté. Dans le sens où. Il est certes quand même des grandes étendues ouvertes, mais il est verrouillé à certains endroits, quoi. Tu peux pas aller où tu veux. 4, 5. On va monter petit rapide, je pense. Les jeux se croisent demain, peut-être. Eh ben, figurez-vous qu'on a un appel, lui et moi, fin de semaine. C'est très gros. Puisqu'on se parle vraiment littéralement 2 à 3 fois par an, maintenant, pas plus. Et là, c'est cette semaine. Donc, comme quoi, voilà. Donc, des news, là, j'en ai pas eu depuis fin d'année dernière, je crois, vers le mois. C'est un peu comme ça là, c'est ensemble. Moi, je le vois vraiment plutôt comme un. Oui, parce que au final, le Célestbourg, c'est ton hub dans ta ville. Tu es obligé de repasser par Célestbourg pour ensuite. Ouais, voilà, t'as raison. Au début, j'allais dire un peu plus comme en Ocarina, où t'as plein de régions, plein de zones, mais tu peux pas tout y aller partout d'un coup, mais tu es pas obligé de repasser par un hub. Donc, effectivement, en réalité, oui. C'est d'accord. Hop, ça te mentale encore. C'est ça qui est un peu relou en open world, aurait été vachement plus. Alors après, je vais pas vous mentir que moi j'ai pas vu la différence. En fait, je vais vraiment pas vous mytho pour le coup là, c'est vraiment. Vous le savez, hein, moi il y a vraiment des choses qui m'ont saoulé. Notamment sur la partie graphique. Mais. Enfin, là, la partie monde ouvert, c'est vraiment. C'est vraiment chipoté pour chipoté parce que franchement non quoi. Enfin, qu'est-ce que ça aurait changé? Enfin je sais pas. Tu vois le truc c'est que demain ils me sortent la même chose mais 100% monde ouvert, je serais en mode ouais cool, enfin y'a rien de révolutionnaire parce que j'ai déjà joué Arceus en fait, tu vois. Je veux dire genre que il faille se TP à la ville là ou que là en fait je suis le chemin et que j'arrive au Marais Carmin ou au Mont Couronné. Oui, d'accord, il y a une petite diff, mais enfin bon, une fois que je suis dans ma zone, tu vois. Donc en vrai, ça m'aurait pas changé. Perso, ça m'aurait pas changé. Maintenant qu'on a fait le jeu, je trouve pas que ça change. C'est un peu effectivement lourd quand tu veux changer de zone, t'es en mode ah, machin. Mais bon, en vrai, ça va. Okay. Alors. Non, pas voir mes Pokémon. Voir mon Pokédex. Donc Chenizel, c'est good. On continue. Papillard, Dracaillou, Gravalange, Grolem, Damoclès. Style puissant. Oh, ça va être ultra rapide, Grolem. Ça va faire 2 secondes. Hop. Grolem, ça va être très rapide. Ah oui, t'es là. Damoclès, dis-moi que t'as Damoclès, mon cher ami. C'est pas grave. On va faire 3 fois. Style puissant, ça ira très bien. Ça ira très bien. Hop! J'ai hâte de voir quelle région ils vont reprendre sous cette sauce. Bah, nous, comme on disait. Let's go. Ouais, évidemment. Ça aurait été intéressant, ça aurait été de pouvoir aller de zone en zone sans aller par la ville. Oui, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais bon, après, ça change pas les masses, je trouve. Ouais, c'était bizarre ça, par contre. Oh là, regardez le corps de Grolem à gauche, là. Regardez. Là, vous voyez ma carapace, et là. Et il n'y a plus de carapace. Je suis devenu un truc bizarre. C'est très bizarre. C'est particulier. Ah, mais c'est dégueulasse. Non, ça c'est pas beau. C'est très différent. Le truc qui coupe l'open world, c'est le professeur Lavande, les recherches. Le professeur Lavande, je trouve ça dommage. Ah, les... Oui, enfin les recherches. Oui, l'analyse. En fait, j'ai l'impression d'être dans un grand parc safari, en fait. Tu vois. Genre, je rentre, la zone, c'est le parc safari.
Je sors du parc safari et t'as le gars qui me dit ah, vous avez attrapé tant de Pokémon, voulez-vous les garder ou je sais pas quoi. Genre, tu sais, quand tu sors du parc safari, on te sort hein, une explication quoi. Bah, j'ai l'impression de voir ça là en fait. C'est good, t'achètes un petit. Alors. Ça va être à 9 ou 10 là. Tiens, là ça va être intéressant de regarder. 10. Parce que c'était le double. Ok. Serbilin 5. Style puissant, style rapide. Extra ascenseur, sprint bouclier. Oh, ça va le faire. Alors. Servilin. 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 Il est où? Comme il est blanc, à tous les coups, blanc sur gris, je l'ai pas vu. Oh putain, il est sur gris. Putain, j'ai vraiment un peu de. Ok. Alors, c'était quoi lui qu'il fallait? Sprint bouclier extra ascenseur. Est-ce que t'as une des deux attaques? Allez vite. Alors. Ok. Let's go. Avec Kyonotor, on pourrait être... je sais pas combien de shiny il va falloir. Un bouclier. Vas-y. Putain, ça tue ce prune bouclier, je sais pas. Je déteste Parasect. Pourquoi? Pourquoi donc? Tu vas faire un nouveau horizon? Oui! Bien évidemment. Bien sûr que oui. Ok, là on est à deux tâches. Style puissant, style rapide. Ouais, ok. Let's go. J'ai une idée, vu que je suis au chômage, je vais faire une upskate. On en a en plus hein, en cours de réal là, si tu veux. Si tu veux, on en a en cours de réal là. Mais si tu veux nous en faire une en plus, vas-y, venez, une histoire. Leur poison de mort qui te spot à l'autre bout de la map. Ça va pas ton écran pendant deux secondes. Qui te spot? Ouais, oh. Bon après le poison il part en deux secondes, enfin. Je sais pas, ça me gêne pas. Enfin en tout cas, j'ai pas eu de problème précis avec eux moi. Un bouclier. Bum. Oh. Je peux me faire buter par le coup, c'est quand même pas. Je sais qu'on pouvait tomber l'animation et tout, mais de là à faire des dégâts. 1, 4, mais il y a du x2, donc c'est good. Ok. Il y a good. Non, Ronflex n'est pas shiny, non. Alors. C'est-à-dire qu'on est passé niveau 10 à lui aussi? Non, on l'était déjà. Gwynflex et Ronflex. Spécimen attrapé, faut l'utiliser repos. L'espèce a reçu de la nourriture. Oh, il va être chiant lui. Alors en vrai, attends, on pourrait déjà faire des trucs. On pourrait lui donner de la nourriture et l'attraper sans qu'il me repère. On pourrait se faire 3 points facilement déjà. On va faire ça. On va faire ça. Alors. Il était par là, hein, je me rappelle. Je me rappellerai toujours l'avoir vu la première fois, j'étais en mode what the fuck, qu'est-ce que tu fais là? Il était... Ah merde, non, il était plus là.
Je sais plus par où il était. Non, je sais pas. Là. Non, c'est un Krixik. C'était là que je l'avais vu. Ou alors c'était de nuit, non, c'était pas là que je l'avais vu. C'était autour de la montagne, mais alors où exactement? Je sais plus à quel spot d'arbre. Déjà on va aller dormir. Jusqu'au matin. Alors attendez, il était par où? Il était dans le coin. Hein. Il était dans le coin, mais je ne sais où. Il était... Pour moi, il était par là. Hein. Près d'un arbre et tout.